À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre, les autorités guinéennes ont décidé de la fermeture des frontières guinéennes avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Même si, pour l'heure, les raisons de cette décision ne sont pas encore communiquées par les autorités de Conakry, les Guinéens, tout comme les Sénégalais, déplore cette décision. Et la fermeture des frontières terrestres, notamment les frontières celles du Sénégal et de l'Angola. Et je suis très intrigué et vraiment très préoccupé par ça. Et vous savez, lorsqu'on est citoyen, malgré qu'on soit du Sénégal ou on soit de l'Angola, on a quand même le droit de voter. J'en appelle à la conscience du chef de l'État, notamment le professeur Alpha Condé, et à l'ensemble du gouvernement, de mettre vraiment une politique permettant à l'ouverture des frontières. Et tous les Guinéens, quel que soit leur bord, quel que soit là où ils se trouvent, ils doivent voter, ils doivent vraiment exprimer leur voix. Donc, par la voie des urnes, je pense que ce serait la meilleure façon. Le président ne devrait pas fermer la frontière parce qu'ils doivent être recensés. Ils ont le plein droit de voter aussi. Ils sont des Guinéens comme tout le monde. Et comme moi, comme vous, comme lui-même, le président. Donc, il ne doit pas fermer la frontière, il doit les laisser venir se recenser, en plus voter. Selon certains citoyens, les autorités ne devraient pas fermer les frontières, mais plutôt renforcer la vigilance et la surveillance de l'intégrité territoriale guinéenne. Pour moi, l'État pouvait, c'est-à-dire déplacer la date des élections, pour que les autres aussi puissent avoir, c'est-à-dire l'opportunité de se recenser, parce qu'ils sont des Guinéens comme nous. L'État doit mettre en place pour que tous les Guinéens qui sont en Guinée ici et qui ne sont pas là aussi pour qu'ils puissent voter, parce que ça, c'est une élection très importante pour nous, les Guinéens. Aux dernières nouvelles, les Guinéens du Sénégal et de l'Angola seront privés du vote du 18 octobre 2020. Une information qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante.